Bonjour à tous, bienvenue sur Galou Challenge Rétro. Aujourd'hui, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent sur Zoo Tycoon, le tout premier volet, sorti en 2001. Je vais vous faire découvrir les premiers niveaux du didacticiel pour se remettre dans le bain et on va faire un petit scénario débutant. Alors, nos objectifs, obtenir une note d'adaptation au moins égale à 60% pour 6 enclos et atteindre une note moyenne de 80% pour le bien-être des animaux. Et on a 6 mois pour effectuer ça. Alors, on a quoi à notre disposition? On dirait un enclos à girafe. Alors, déjà, on a quoi comme animaux? Alors, il faut qu'on place des girafes, des élans et des dromadaires. À mon avis, la girafe, elle va aller dans cet enclos-là, là, cet enclos de savane. Hop. Je vais peut-être en mettre deux, un mâle et une femelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cet enclos? Au niveau du soigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Cet enclos convient bien aux girafes. Bon, bah c'est bon, on n'a rien à faire. Là, à mon avis, ça va être l'enclos, pardon, le dromadaire, je suppose. Et un mâle. Et qu'est-ce qu'il nous dit le soigneur? Mince, il n'y a pas de soigneur. Si, c'est bon. Donc l'eau convient bien au dromadaire. Parfait. Je pense que le premier niveau, ça va être rapide. Et là, on va mettre un élan. Alors, par contre, c'est un quoi? Un mâle ou une femelle? Je ne sais plus où on était. Comment on peut savoir? On ne peut pas trop savoir si c'est un mâle ou une femelle. Je ne me rappelle plus, normalement on devrait pouvoir avoir les informations. Attendez, que je regarde sur le récap des animaux. Alors on en a 5. Et donc l'élan. On peut savoir si c'est un mâle ou une femelle. Je sais plus. Ah voilà. Donc c'est un mâle. On va mettre une femelle avec plus. 60 ans. Et peut-être qu'il nous fera un petit. Un petit élan, ce serait sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition comme nouveaux animaux? Alors, on pourrait faire un enclos de lion d'Afrique, un enclos de léopard, un enclos de kangourou, un enclos de tigre du Bengale, un enclos d'ours polaire, et donc l'enclos des dromadaires, il est déjà fait. J'ai envie de tenter le tigre du Bengale, moi. Alors, par contre, est-ce qu'on a déjà un enclos qui pourrait s'y prêter? Là, on a les girafes. On n'a rien d'autre comme enclos, il va falloir qu'on le construise. Alors, par contre, que je me rappelle comment on construit ça. Je vais faire avec ça. Alors, je me rappelle comment on construit les clôtures en ce volet de Zoo Tycoon. En tout cas, ça me replonge en enfance. Est-ce que j'ai pu y jouer à ce jeu? Je ne sais jamais s'il faut mettre l'intérieur de la barrière ou l'extérieur. Je vais faire plutôt l'extérieur. Ok. Là, on va laisser un trou pour pouvoir mettre la porte. Ah, je m'étais pas mis jusqu'au bout là. Voilà. Alors, hop, on remet.
vois pas trop ce que je fais. Du coup, la porte, je vais la mettre ici. Ok. Voilà, comme ça, je vais marquer tigre. Merci. Tigre du Bengale. Caverne, si je me rappelle bien dans mes souvenirs. Alors, est-ce qu'on l'a à disposition, la caverne? C'est même pas sûr. On va leur mettre cet abri là en attendant. Ah, ils en veulent pas, donc ça ne leur plaît pas. Je vais mettre ça. Voilà, ils préfèrent ça. Ok, ensuite, alors qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, des arbres, il y a trop d'herbes, pas assez de terre et pas assez de tapis tropical. Ok. Et de l'eau, surtout. Alors, on va mettre un petit carré d'eau. Par contre, je ne sais plus si c'est là. Il faut que ça me revienne. Alors, l'eau. De l'eau douce. Ok. On va pas en mettre de trop. Hein. 3 carrés, je pense que ça suffira. Forêt de feuillus, non, c'est pas de la forêt de feuillus qu'ils veulent, c'est de la forêt tropicale. Voilà. Grossir un peu. Ok. Est-ce qu'il faut qu'on leur mette un peu de terre? Je me rappelle jamais. Tapis tropical, de l'eau douce, de la terre. Fermer cette fenêtre là. Mince, j'ai perdu mon truc. Du sable, non, de la terre. Par contre, on va peut-être pas en mettre de trop. Je vais en mettre aux abords de l'eau. Tiens. Long, on va peut-être pas dû faire casse par. Ah, il dit plus rien. Donc, il y a peut-être des choses à changer. Il n'y a pas assez d'eau douce. Ok. Alors, de l'eau douce. Pas assez d'eau douce, bah non, ils en veulent encore. Ok, pas de souci. Est-ce que j'ai encore de l'herbe autour de mon truc là? Ça devrait être bon là, je pense quand même. Encore qu'on vient au tigre du Bengale, nickel. Du coup, maintenant, on va refaire une autre espèce. On va se mettre. Est-ce qu'on pourrait pas faire les lions ici à côté des girafes, vu que c'est le même environnement, ce sera de la savane. Ou alors, ouais, si, on peut se faire un petit enclos à lions ici. Alors, du coup, on refait les barrières. Est-ce que je change de style de barrière? Non, je vais rester sur ce style-là, je l'aime bien. Alors,
quand la porte, je la mettrai. La porte que le soigneur puisse rentrer. Là, elle est ici. Je vais peut-être la mettre de ce côté-là. Oula, c'est bizarre, c'est pas en face. Mince. Il y a eu un petit problème. Voilà, c'est bon. Donc j'ai dit que je faisais les lions ici. Hop. Du coup, les lions. Par contre, il va peut-être être un peu petit comme un clou. Bon, on verra bien. On verra bien. Voilà. Et une femelle. Donc, on abrit. Je ne sais jamais où c'est, les amis. Alors, de la savane. De la savane. Ok. Voilà, par contre il leur faudra sans doute un point d'eau. Ok, ensuite. Il y a trop d'herbe dans l'enclos, de l'herbe. Je vais enlever l'herbe. Attendez, je vais faire pivoter la caméra. Est-ce qu'il y a de l'herbe? Ah oui, il y a de l'herbe. On va mettre de la savane du coup à la place. Par contre, je pense qu'il leur faudra de la terre. Je vais faire ça autour de l'enclos, autour de l'eau. Ici. Il aimerait davantage des rochers, il n'y a pas assez de sable et des arbres. Alors, du sable. Du sable. Mince. Ah, ben, j'ai tout enlevé, quelle gourde. On recommence. Non, il y en a un de trop. Bon, faut que je valide 1, 2, 3. Je crois que le quatrième, c'était de trop. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite. Donc, il nous faut un rocher pour s'amuser. Ouais. Un rocher pour s'amuser. On a ça. On a ça. Alors, on met chacun leur. Voilà, nickel. Normalement, ça devrait être bon, je pense. L'avantage de rocher. Bravo. Oui, mais le problème, c'est que j'en ai pas d'autres, des rochers. Ah, si, peut-être des rochers. Ici, des petits rochers comme moi. Par contre, il me faudrait des rochers. Des trucs comme ça, je pense. Des petits comme ça au bord de l'eau. Voilà. Encore, bah, dis donc.
grands alors, s'ils en veulent beaucoup des rochers. Viens voir. Ok, c'est bon. Il ne manque plus que les arbres. Je vais mettre des arbres. Alors, les arbres de savane. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Des touffes d'herbe. Ça, ils aiment bien les lions pour se cacher. Des touffes. Je vais leur mettre un ou deux arbres comme ça peut-être. Ah non, ils les aiment pas ça. Ok. Ils ont peut-être plus besoin de rien d'autre. Ils veulent juste qu'ils soient plus nombreux. Bah, de toute façon, je pense qu'ils vont faire des petits, donc ils seront plus nombreux dans quelques temps. Ensuite, il nous reste plus de 3 mois pour finir. Hein. L'objectif. Ah bah voilà, Lyon 2 vient d'avoir un petit. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? J'essaye de vous zoomer dessus. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Lyon 4. Ouais, c'est celui-ci. Il est tout chou. Tout choupiné. Le petit lionceau. Alors, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Ok. Donc il va faire concurrence au père. Mais bon, les lions dans la nature, les lions mâles ne tuent pas leur progéniture. Par contre, ils tuent si la femelle qu'ils convoitent a déjà des petits. Ah, mais ils en ont eu deux. Lion 4, lion 3. Ah oui, ils en ont eu deux. Alors, est-ce que on a dit que le lion 4, c'était un mâle. Et le lion 3, c'est une femelle. Là-bas, on a un couple pour la prochaine génération. C'est cool. Du coup, on va installer quoi comme autre animal? Ah, des gazelles, ce serait sympa. Faut que je fasse un autre enclos ici, mais je sais pas. Bon, déjà, je vais regarder au niveau de mes objectifs, qu'est-ce qui me manque. Le bien-être des animaux, c'est bon. Et il me faut 6 enclos adaptés. À hauteur de 60%. Et pour l'instant, on a combien d'enclos? Alors, l'enclos numéro 1, c'est les gnous. Enclos numéro 2, c'est les dromadaires. Enclos numéro 3, les girafes. Tigre du Bengale. Pour l'enclos numéro 4. Il m'en manque 2, donc. C'est bizarre. Je croyais qu'on avait plus que ça. Non, il y a bien les lions. Donc, si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un en fin de compte. Il me manque un seul enclos pour finir l'objectif du scénario. Alors, du coup, qu'est-ce qui va être le plus simple? Est-ce que je fais des ours polaires ou des kangourous? Ça peut être sympa des kangourous, tiens. Je vais essayer de faire des kangourous. Alors par contre, les kangourous, ça saute, justement. Ah bah si, il vous reste 3 mois pour réussir. Oui, je sais, monsieur. Ou alors... un ours polaire. Tenter, mais à mon avis, il faudra beaucoup plus de place que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon tigre du Bengale qui est pas content? Qu'est-ce qui ne va pas, messieurs, dames? Ah, mais je l'aurais pas mis d'arbre. Bah oui, quelle gourde. C'est pas bien, Galou. Pas bien. Les arbres, je sais plus où est-ce que c'est. Il me faut des arbres de la forêt tropicale. Est-ce que ceux-là, ils les aiment? Ils les aiment pas. Ok. Mince, faut que je l'enlève. Forêt tropicale. Ce serait plus des arbres comme ça.
Ok, voilà, c'est des espèces de fougères. Maintenant. Ah non, ils en veulent encore. Ils en veulent encore. On va plus les voir à force. Au moins, ils auront de la forêt. Voilà, nickel. J'ai rattrapé mon erreur. Par contre, ils veulent pas un rocher, eux, d'habitude. Non, moi, je sais pas. Alors du coup, j'hésite. Est-ce que je me fais un ours polaire ou autre chose? Je vais tenter. Je vais tenter mon ours polaire. Alors du coup, par contre, je vais le faire avec un enclos vitré. Ce sera mieux, je pense. Alors, il sera peut-être à l'étroit. On verra bien. J'en mets qu'un. Je mettrai pas forcément un couple. On verra après. Je crois que j'ai mis à l'envers le truc. Alors, ours polaire. Hop. Alors, qu'est-ce que tu as besoin, mon gars? Trop d'herbe, pas assez de neige dans l'enclos, pas assez d'eau de mer et un abri. Ok. Alors, de la neige. Bien que ça fait, c'est la première fois que je fais un ours polaire. Oh, j'avais dû en faire lors des scénarios, mais je m'en rappelle plus. Bon, vous inquiétez pas, là j'ai mis trop de neige, hein, je vais remettre de l'eau de mer pour qu'il soit content. Voilà. Et quelques rochers, je suppose. Alors, trop de neige, pas assez d'eau de mer. Ah, ok. Bon, là, par contre, on va y aller à tâtons. Carré par carré, je pense, pour être sûr. Bon, ça devrait être bon, là, je pense. Ah non, il en veut encore. Je pensais pas qu'il en voulait autant. Si j'avais su, j'aurais peut-être dû faire un enclos d'eau de mer et faire la neige après. C'est bizarre ça qu'il en veut autant. Pas assez d'eau de mer. Un abri. Je vais mettre l'abri avant de faire des bêtises et de plus avoir la place pour le mettre. Alors. On n'a toujours pas la caverne de disponible. Donc je vais remettre un enclos comme ça. Hein. Enfin un abri comme ça plutôt. Et du coup, il va nous manquer encore de l'eau de mer. Bien, je suis trompée. Bon, bah, je vais faire plus, hein. Je vais faire carrément un carré. Voilà, nickel.
Bon, normalement, on a nos 6 enclos. Est-ce que tout le monde est content? Bon, ça, c'était c'est le nom du zoo, je veux les enclos. Alors, du coup, on a l'enclos 1 qui correspond au gnou. Non, aux élans, pardon. D'ailleurs, je vais renommer si je peux. On peut ou pas? Vous croyez qu'on pouvait renommer les enclos? Ah, voilà. Élan. Ok. L'enclos 2. C'est quoi l'enclos 2? Dromadaire. Enclos 3, ce sont les girafes. Ok. Bon ben je crois que c'est bon. On a mis tous les noms. Donc on a les élans, les dromadaires, les girafes, tigres du Bengale, les lions et les ours polaires. Enfin un ours polaire. Je crois que ça doit être bon au niveau de notre mission, voyons voir. La mission, elle est là. Vous disposez de 6 mois. Bah, il n'y a plus qu'à attendre que les 6 mois s'écoulent. On est au mois de mai, il reste un mois avant la fin du scénario, mais je pense que c'est bon. Je vais vous refaire un petit tour de tous les enclos. Donc là, on a l'ours polaire. Peut-être que si on lui mettait une petite copine, il serait content, je ne sais pas trop. Non, il n'a pas l'air d'en vouloir. En plus, c'est une femelle que j'ai mis. Il faudrait que je mette... Je vais mettre un mâle, voir si ça marche. Hop. Est-ce qu'elle sera contente d'avoir un mâle avec elle? À première vue, non. Ça change rien. Donc, j'enlève. Ensuite, nous avons donc ici l'enclos des gnous. Mince, je suis partie du mauvais côté. Voilà. Les gnous, d'ailleurs, ils ont fait des petits. Par contre, c'est pas très propre, je trouve. Embaucher un autre soigneur, ouais, c'est pas très très propre. Voilà, ah, il va nettoyer. Ah, bah non, il met de la nourriture, mais il aurait pu nettoyer en même temps. Alors, je sais jamais si c'est les soigneurs qui nettoient les enclos, si c'est bien les soigneurs qui nettoient les enclos. Donc là, on a eu un bébé élan, donc on en a 3. Après, donc, on avait l'enclos des tigres. Alors, est-ce qu'on a un bébé ici? Les tigres du Bengale. Ou est-ce qu'ils sont que 2? Première vue, ils sont que 2. Ils n'ont pas fait de petits. Hein. Non, il n'y a pas de petits. Là, on a les girafes. C'est pareil, elles n'ont pas fait de petits. Alors, qu'est-ce qui manquerait pour qu'ils fassent des petits? Et on avait donc nos dromadaires, il me semble qu'il y avait un petit par contre ici, voilà, il y a eu un petit. Où est-ce qu'il est? Dromadaire numéro 3, il est là. Bon, ça va, l'enclos est pas trop sale. Par contre, il faudrait que je regarde au niveau de mes employés. Est-ce qu'ils font leur ronde, les soigneurs? Je sais plus comment on paramétrait ça déjà. Pour leur assigner des enclos. Personnel. Alors, on a le soigneur numéro 1. Est-ce qu'il a quelque chose, un enclos d'assigné? Comment on assigne un enclos déjà? Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Peut-être pas l'option au tout début du jeu, c'est peut-être un peu plus loin, à mon avis. À mon avis, ça doit être ça.
Donc là, il est parti nettoyer. Ok, il a donné à manger. Nickel. Du coup, on en a combien? On en a 3 des soigneurs. Non, on a 2 soigneurs. Un agent d'entretien. Il commence à y avoir quand même pas mal de monde. On va peut-être prendre un autre agent d'entretien. Au cas où il y ait une grille de cassé ou quoi que ce soit, qu'il soit là. Qu'il y en ait un qui fasse les poubelles et un qui répare les grilles. D'ailleurs, les poubelles, il n'y en a pas beaucoup dans le parc. Là, j'en vois pas. Enfin, peut-être que j'en rajoute. Ça devrait pas tarder à se terminer, d'ailleurs, le niveau. Je pense que j'arrêterai la vidéo à ce moment-là. Vous me direz dans les commentaires, d'ailleurs, si vous voulez que je continue les vidéos sur Zoo Tycoon première édition. Et je vous ferai aussi découvrir les autres volets. Donc, comme je vous ai dit en intro, les Zoo Tycoon Dinosaur Digs et Zoo Tycoon Marine Mania. Et ben voilà. Il vous reste un mois pour réussir le scénario. Ah mince, qu'est-ce qui va pas? Problème, j'ai réussi mon objectif. Ah oui, ça c'était la recherche. Je pouvais dépenser de l'argent pour débloquer la recherche, avoir d'autres types d'animaux. Par contre, c'est pas mon objectif. Mais j'ai tout là normalement, c'est bon. Non, faut juste que j'attende. Il m'a donné un mois supplémentaire. C'est bizarre. Fais attention quand même. T'es plus toute seule la girafe là, c'est bizarre. Non, c'est bon. Elle est où l'autre? Elle est peut-être partie dormir. Je la vois pas. Bon, nos lions, ils en sont où? Ils ont grandi? Non, ils ont pas grandi. Bon, du coup, bah, en attendant, on va peut-être se refaire un autre enclos, alors. Bon, ça va être un peu juste de faire l'enclos en un mois, mais bon, où est-ce que je vais me mettre? Comment il va, mon ours polaire? Très bien. Bon, bah, tout a l'air sous contrôle. Qu'est-ce que je pourrais construire? Des bancs. J'ai pas mis de bancs. Je vais mettre des bancs. Par contre, je sais jamais comment on fait pivoter ça. Voilà, c'est ça. Je vais en mettre un à côté de la poubelle. Ok. Je vais en mettre un ici. Ah si, il y avait des bancs devant les enclos. J'avais pas fait gaffe. Mais bon, ça coûte rien d'en rajouter. Et là, les gens marchent carrément sur la pelouse. Il faudrait peut-être que je fasse un chemin. Les chemins. C'est où les chemins? Où c'est que je fais un chemin? Chemin. Alors, je vais vous faire un chemin. Bon, un chemin de terre. Je vais continuer ici. Hein. Comme ça. Ah, nickel. Par contre, je vais faire un grand chemin. Je vais élargir. Voilà. Je vais mettre un petit peu de fleurs, de la déco. Par contre, c'était où les fleurs? Je sais plus où est-ce que c'est les fleurs. C'est pas là. Dans quoi ça va être? Ou alors je vais pas débloquer les fleurs. Je vais mettre un manège. C'est pas mal ça, un manège. Par contre, l'entrée est où? L'entrée du manège, elle est là. Okay. On va faire comme ça. Je vais mettre un chemin. Je
pour accéder. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autres boutiques que je n'aurais pas mis? Un théâtre animalier. Théâtre animalier. Là c'est pareil, il passe sur la pelouse, on va mettre un chemin. C'est quand même mieux. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais construire? Donc j'ai mis le manège. Acheter un manège enfant. Une attraction de promenade. Ah, c'est peut-être pas un manège que j'ai mis. C'est quoi? Ah si, c'est un manège. Attraction de promenade, c'est quoi? Manège, attraction de promenade. Ah, c'est un truc à dos d'éléphant. Ok. Alors, par contre, ce serait bien que je mette ça là. Si j'ai la place. Si ça tient. Non, ça tient pas. Il y a quelqu'un qui gêne. Je ne peux pas le mettre là, je vais peut-être le mettre ici plutôt. Le truc des éléphants. Je vais le mettre dans quel sens? Ou alors, non là ça passera pas. Je vais le mettre comme ça et je vais enlever une petite barrière et faire un chemin. Alors du coup, la petite barrière, on va l'enlever pour faire le chemin ici. Hop. Un petit chemin. Voilà, nickel. D'ailleurs, on va rejoindre l'enclos ici. Hop. Mince, je suis partie du mauvais côté. Eh ben voilà, on a réussi notre premier scénario. Écoutez les amis, je ne vais pas faire une vidéo plus longue, hein, parce que ça fait déjà une quarantaine de minutes. Vous me direz dans les commentaires si après le calendrier là de l'avant, vous avez envie que je fasse d'autres vidéos et donc qu'on fasse ensemble d'autres scénarios. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous donc demain pour la suite du calendrier de l'avant. Portez-vous bien !